ma boîte. Toutes mes pauses, je les passe seul, face à moi-même, à l'extérieur. Je me figure qu'enfermé, je n'aurais pas la moindre chance d'aller voir ailleurs. Comme Jim Keaton, j'ai pas envie de me mélanger avec vous. Ce serait faire croire que je me sens bien, mais mon seul but, sortir de ce trou. Dans ma boîte, il n'y a toujours pas la moindre chance de toucher le pactole. 1200 balles pour se geler les couilles et se casser le dos, bah, reste à l'école. Pour mon fils, c'est un honneur, je suis son père, ce héros. Quand il sera grand, il veut poser dans ma boîte. Dans ma boîte. Ce taf, je t'assure, c'est zéro. Hors de question qu'un jour tu atterrisses ici. Si c'est le cas, je serai atterré, je ferai tout cramer avant de partir. Je t'encouragerai toujours, te féliciterai pour tes efforts. Sur ce point précis, tu ne seras pas mon reflet, ce sera mon réconfort. Je ferai tout pour que tu réussisses, que tu me surpasses, un père en or. Plus impliqué, intransigeant que ne peut l'être Neymar senior. Dans ma boîte, croyez ou pas, les fils d'eux ont signé. Jamais, même pour un été, ils ne verront Ethan Célier. Dans ma boîte. Dans ma boîte, je rêve de partir de mon vaisseau. Sur un canasson, un corbeau, un 33 tonnes dans un vaisseau. J'en suis malade, j'en ai plein le dos. Je rêve du jour où je pourrais m'écrier rideau. Dans ma boîte, y'a toujours ce petit rappeur qui pose des rimes qui se rêve ailleurs. Seulement pas loin de 35 piges, j'ai pas de lendemain meilleur. Dans ma boîte, y'a tous ces vestiges d'un autre âge. Y'a ces esprits perdus, pratiquement à la limite du naufrage. Dans ma boîte, il n'y a presque personne qui montre son vrai visage. Y'a des gens tenaces, y'a des âmes timides, y'a des âmes sauvages. Y'a toujours ces types, beaucoup trop portés sur l'alcool, qui ont plus peur de la hausse du prix du Ricard que celui du baril de pétrole. Le pire, c'est que dans ma boîte, ça tease comme à la maison. Les chefs sont au courant, mais ferment les yeux, ils doivent avoir leur raison. Dans ma boîte, ça bouleverse, ça prend de grandes décisions. Si on ne change pas, on régresse, telles doivent être leurs affiches de motivation. Ça perd du temps, brasse du vent pour s'occuper pour le plaisir. Quand on sera enfin habitué, on recommencera, c'est triste à dire. Dans ma boîte, ça fait des coups en trave, ça se trompe, ça trépigne. Ma boîte est à l'image de la France, prête à sauter sur un champ de mine. Dans ma boîte, je rêve de partir de mon vaisseau. Sur un canasson, un corbeau, un 33 tonnes dans un vaisseau. J'en suis malade, j'en ai plein le dos. Je rêve du jour où je pourrais m'écrier rideau. Dans ma boîte, y'a ce type qui a tout prendre, on trouvait sympa. Qui un soir défoncé a fauché un papy qui purge sa peine en cabane. Y'a ces types qui t'en veulent, te mitraillent d'un regard noir. T'as oublié de leur dire bonjour, ils t'en voudront jusqu'à la mort. Dans ma boîte, c'est les pas droits, le désordre, la recette. Certains viennent en sixième jour, ils font 6 heures, ils sont payés 7. Pendant qu'ignorant, je m'échine, tape mes 8 heures sans broncher. Le pire, quand je l'apprends, se fout de ma gueule, ça va puncher. Crois-moi ou pas, ça taffe une heure et déjà ça part en pause. Ça passe devant le chef, ça sourit, quant à moi je freeze l'overdose. Je suis saoulé, cette putain de boîte, je rêverais d'avoir coulé. Dans mes rêves les plus fous, je vois l'entrepôt en train de s'écrouler. J'exagère à peine, mais quand même il serait temps de s'envoler à tire-d'aile comme une hirondelle quand vient le printemps. Dans ma boîte, j'ai vu passer pas plus tard que ce matin. Elle fuyait ce lieu par milliers vers d'autres cieux comme des pèlerins. Évidemment, faut que je les imite, ça ne fait pas de doute que je me cherche et que je me trouve le plus tôt possible une autre route. Ailleurs que dans ma boîte, j'ai mon esprit qui rétrécit. Ça va s'aggraver si je reste ici. Dans ma boîte, en fait, j'ai fini par prendre mon mal en patience. Au final, elle me file de quoi bouffer. Tout le monde n'a pas toujours cette chance. J'ai dit bye bye à ma noirceur. J'ai arrêté de péter des câbles. Rangé le chaos de mon esprit dans un classeur et j'en tire des effets notables. Dans ma boîte, plus vite, parfois même un sourire sur mon visage. Qui l'eût cru, j'étais proche de me noyer. Je suis de retour sur le rivage. N'exagérons rien, hors de question que je m'éternise. Mais ne pas mettre un terme à sa colère, c'est se créer sa propre crise. C'est un vivier de valeurs amères, c'est invariable, c'est invivable. C'est un dîner en tête à tête, mais l'invité se trouve être le diable. Dans ma boîte, c'est nécessaire pour avancer, de passer ce cap. Ne pas être à la merci du coup près, sous peine de passer à la trappe. En prenant sur moi, au fond je m'ouvre des perspectives. De la volonté à revendre, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive. Tu me crois résigné, tu te gourres, qu'on se le dise, t'as pas idée. J'en sortirai grandi, plus fort, j'en ai conscience. Consolider. Dans ma boîte, je rêve de partir de mon vaisseau. Sur un canasson, un corbeau, un 33 tonnes dans un vaisseau. J'en suis malade, j'en ai plein le dos. Je rêve du jour où je pourrais m'écrier rideau.